Bonjour, je suis Stéphanie. Je suis de celles qui n'ont pas hésité à prendre des risques pour changer de métier. J'ai d'abord fait des études dans l'équitation. Je voulais faire du cheval, voilà, c'était mon objectif, être monitrice d'équitation. Donc j'ai fait un bac pro conduite et gestion d'une entreprise épique où je gérais une entreprise d'équitation. Mais c'est compliqué l'équitation parce qu'en fait l'équitation classique est western et moi j'étais plus dans le western. Et malheureusement, il y a très très peu de métiers à ce niveau-là en fait. Il n'y a rien. Et ensuite, ma maman qui travaille à GC Gaz m'a confié qu'il existait des personnes qui travaillaient donc sur le terrain. Comme elle savait que moi j'adorais l'extérieur, du coup, j'ai testé, j'ai fait une semaine d'immersion à Gertégaz, à Saint-Étienne. Pendant l'immersion, j'ai vu donc les postes gaz, les sectionnements, j'ai tout vu en fait ce que faisaient les personnes sur le terrain et ça m'a énormément plu. C'était quelque chose de très technique, il faut savoir que c'est manuel et c'est tout ce que j'adore. J'ai toujours été très manuelle depuis que je suis petite, donc du coup, voilà, ça me correspond. Donc du coup, je me suis renseignée sur les différentes formations que vous pouvez faire pour venir dans ce métier-là. Et donc, j'ai trouvé le titre gaz que j'ai fait en 2 ans en alternance. J'ai voulu venir à Gertégaz, malheureusement, il y avait pas de publication. J'ai fait 1 an dans l'entretien des chaudières, chauffe-eau, radiateur gaz à Lyon. Et ensuite, j'ai tellement voulu venir à Gertégaz que j'ai vu une publication. Et du coup, j'ai tenté ma chance. Et me voilà, depuis le 1er novembre 2020, Gertégaz, en tant qu'agent d'exploitation réseau gaz. Donc, j'entretiens nos postes gaz et nos sectionnements gaz pour assurer la continuité de fourniture à nos clients. Ce qui me plaît dans mon métier, c'est d'être en extérieur, de bouger. J'ai toujours détesté être dans un bureau fermé autour de 4 murs. Je vais bientôt normalement pouvoir muter à Décines, donc à côté de Lyon, de là où je suis originaire. Et j'aimerais monter en échelon et devenir technicien, exploitation réseau, faire des travaux tiers. Voilà. Mon objectif est d'évoluer au sein de l'entreprise. J'ai pas hésité à changer de métier. Je savais ce que je voulais et du coup, pas hésiter. C'est pas parce qu'on est une femme, tout le monde peut le faire. Tout le monde en est capable du moment qu'on est un peu manuel, technique. Il n'y a pas de souci, tout le monde peut y arriver. Voilà.